fonction, c'est la DTN, c'est-à-dire que je suis entraîneur national. Donc jusqu'à présent, j'avais les 20 ans. Puis là, comme on suit pendant 3 ans les sélections, je repars avec les 18 ans. Le deuxième fonctionnement, c'est au niveau de la formation de cadre. Donc, c'est-à-dire que Francis Mericky s'occupe du diplôme d'entraîneur professionnel de football. Donc ça nous prend du temps parce que c'est pratiquement des formations individualisées, donc on va dans les différents clubs. Et là, comme il y avait une place qui s'était libérée à Castelmourou pour ses coupes nationales, je suis venu ici avec très très grand plaisir. La coupe nationale, c'est en fait de repérer les meilleurs joueurs pour la sélection U16. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui s'est qualifiée, c'est la Méditerranée. Et après, il faut former une équipe du sud de la France, hein, avec les autres joueurs qui ont participé sur le site de Castelmourou à ce tournoi, à essayer de sortir 16 joueurs pour essayer de les repêcher et faire une compétition contre d'autres équipes inter-régionales.